Salut tout le monde! Voilà, me revoilà. On est parti pour faire les vidéos. Donc voilà, acte 2 du confinement. Donc comme promis, on s'est décarcassé pour vous trouver des solutions. À chaque fois, vous allez recevoir un lien par mail et ce lien, il vous servira à participer, assister au cours de gym. Voilà. S'il y a quoi que ce soit qui va pas, n'hésitez pas, envoyez-nous un message, on va essayer de trouver la solution. Mais ça reste la solution la plus simple pour tout le monde. Voilà. Sur ma chaîne YouTube, c'est un groupe privé, c'était voulu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et peut-être que plus tard, ça me permettra de faire des lives. Parce que plus on est nombreux sur ce groupe, plus on pourra se rassembler et faire des lives. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Je m'y connais pas, donc on verra. Voilà. Donc pour l'instant, ça sera des enregistrements qui vous seront envoyés et voilà. Aujourd'hui, c'est Gym Vitalité. Voilà, donc la Gym Vitalité, ça concerne un groupe spécifique, donc c'est pas trop tonique hein, quand même, mais quand même on bouge pas mal. Rappelez-vous toujours, faites attention à vos postures et aux mouvements. Si vous sentez que ce n'est pas possible aujourd'hui, dans ces cas-là, vous ne le faites pas. Le mouvement, hein, faites la séance de sport quand même. Vous avez mal à l'épaule, donc le mouvement il n'est pas trop adapté, ne forcez pas. Vous êtes seul, je ne suis pas là pour vous surveiller, donc du coup, vous pouvez vous mettre en danger, d'accord? Au maximum, je vais essayer de vous indiquer, mais voilà, on ne sait jamais, ok? Allez, c'est parti, on débute la séance, je mets la musique, une bouteille d'eau à côté de vous, une serviette ou votre tapis, et on y va. Let's go! Workout Music Source. C'est parti! Marche! On serre le ventre. Voilà, là ici t'es bien gainé. Tu prépares ton périnée, tu le montes. Tes épaules sont relâchées. Et, oui, 4, 3, jambes tendues du côté. Et. Toujours les bras en mouvement. Oui. Et 4, 3. 2 et 1, marche, marche. On a le soleil avec nous. C'est la fête. Toujours en marche. Faut pousser les murs, hein. On reprend. Côté, côté. Hey, hey. Oui. Détends tes épaules. Très bien. Ce mouvement-là, on va le faire en 2-2. 2. 2. Oui. Même si tu n'es pas gauche, tu nous rejoins. Toujours 2-2. Plie bien ta jambe d'appui. 7. Encore. Voilà, faut que ça chauffe. Dernier. Marche, marche. Marche. On avance, on recule. Voilà. Alors si tu ne peux pas faire trop de mouvements, tu réduis l'allure, hein. Tu fais des petits pas. Encore un. Reviens milieu. Côté. Côté. On a dit que le suivant, c'était 2-2. 2-2. Oui. Tout dans la posture. Redresse. On passe à 3. 3 fois. Et 1, 2, 3. Ta jambe d'appui. Bien pliée. Et. Voilà. Serre ton ventre. Remonte le périnée. Inspire, souffle. Encore un. Reviens milieu. Marche. Avance le cul. Encore. Oui. Dernier. On revient milieu. Pointe devant. Pointe. Pointe. Voilà. D'accord? Ok.
machine, balance tes bras. On est bien. Plus loin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marchez. On reste sur place. On est bien. Ça va commencer à chauffer tout doucement. On reprend. Pointe, pointe de devant. Pointe. Ouais, je peux faire des mouvements de je monte, je descends sans problème. Souffle. Et 4, 3, 2, marche, marche, marche. On ouvre les bras. Encore un. Relâche. Step touch. Et allez. Tranquillement le step touch, d'accord? Toujours. Le step touch, on place le petit soleil. Petit, petit. Hey, tout. C'est là où tu dois faire attention à tes épaules. Si tu vois que c'est pas possible, tu le fais pas, d'accord? On double le soleil. Les deux. Hey!
genoux. 4 secondes. 3, 2, 1. Genoux, genoux. Chou, chou. Faites. Encore. Wow. Est-ce que ça sentirait pas un peu l'équilibre tout ça? Moi je crois que si. On était resté là-dessus sur le premier passage, sur le premier trimestre, d'accord? De septembre au confinement. On avait vu la proprioception. On la refait. Allez, on lâche pas les genoux. On lâche pas. Encore. Souffle. Ok. On pose. Marche, marche. Tu choisis la jambe que tu veux. On va monter un genou et on reste en haut. Ok? On y va? Tu bloques. Tu tiens. On tient. 8 secondes. Et 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Marchez. Trop facile. Trop facile. Change de jambe. Et bloc. Pense à ton ventre et on reste. Je vais baisser un peu le son. On la refait une dernière fois. Si tu vois que tu galères sur l'équilibre, prends une chaise, prends ce que tu as à côté de toi. Ton mari, s'il ne bosse pas, il peut être utile éventuellement pour tenir l'équilibre. Je dis ça, j'aime bien. On y va. On est bon. Sauf que là, tes bras, tu vas les ouvrir. Voilà. Tout dans la posture. Peut-être que là déjà t'as posé ton pied. C'est pas grave, je le vois pas. T'as de la chance. 4, 3, 2 et à lâcher. Changez. Hey. Tout dans la posture. Même pas peur. Oui. 4, 3, 2 et 1. Lâchez, marchez. Viens les copains. On prend un coup et on attaque la suite. Important de s'hydrater. On fera le point après, voir si la musique ça va, pas ça, on verra au moment, hein, d'accord? Ok, on est parti. On va travailler petit moyen fessier, quadriceps, ischio-jambier. C'est parti. On n'hésite pas à se tenir à une chaise ou à ce qu'on veut. On est souple sur les jambes. Les mains peuvent être ici ou derrière. Jambes tendues et battement de jambes. Serre et tranquillement. Redresse la cage thoracique. Oui. 4, 3, 2, 1. Posez. Marchez. Tranquille. Change de côté. Et chacun va gérer son rythme, hein, d'accord? Voilà, ta jambe d'appui est bien fléchie, sans problème. 4, 3, 2, 1, marche, marche. Bon, on refait la même. C'est là hein, que ça travaille, hein? Allez, bon, bim! Posture, serrage, temps, battement. Respiration. Voilà, là tu commences à sentir que ton fessier fait aïe. On lâche rien. 4, 3, 2, 1, marchez. Aou, aou. La deuxième est dit moi. Et moi. On y va. Pim, clac, boum, pisse et tendu. Hey. Ne lâche pas ta respiration. La lâche pas. Bien sûr que tu as le droit de relâcher pour revenir après. T'as le droit. Toujours. Hey. Ha. Ha. Encore. Là, on commence à sentir le fessier. Il nous appelle. Et 4, et 3, et 2, et 1. Marche. Bon. 3
troisième série. On refait la même chose, battement de jambes, avec un bloqué là-haut. Chiche. C'est parti. Bip. Posture. Serre, serre. Hey. Tout. Et battement. Go. C'est Kiki qui a avoir un fessier de rêve. Hey. Attention les filles. On bloque, on bloque. Reste, tiens. Les filles et les gars aussi. Allez, on le tient. Et 4, 3 et 2, marchez. Marche. Lâche pas la motivation. D'accord? Lâche pas. Enlèvement. Tac, tac. Change de jambe. Tout. Battement. Allez. 4 secondes. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Reste en haut. Alors lâche pas, lâche pas. 4, 3, 2, 1. Et lâchez. Oh, le fessier, il dit merci. C'est pas fini. Bon. Grand fessier ischio-jambier. Je te montre. Point derrière. Mon genou. Repasse derrière. Genou. Derrière. Ok. Genou. Derrière. Et en haut. En haut. En haut. Ta jambe d'appui bien pliée. Oui. Toujours le regard. Encore. 4 derniers. 3, 2, 1. Et reviens. Posez. Il est gentil celui-là. On change de jambe. C'est parti. Et pointe. Genou. Et. Bien. J'espère que tu as bien serré ton ventre au passage, hein, ça c'est important. On la refait. Le niveau 1, tu gardes le pied au sol. Ton pied reste au sol. Monte, lève, pied. Ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, on ne pose plus le pied au sol. D'accord? Je te montre. Lève, derrière. Ok? Le pied ne touche plus le sol. Et, et. On y va ensemble. Genou. Hey. Hey. Si tu galères trop sur l'équilibre, tu fais le niveau 1. Serre-moi ton fessier. Ton fessier derrière, il se contracte. 4 derniers. 3. 2. 1. Et posez. Oh. Tout va bien. On y va pour la deuxième. Change de jambe. Genou. Pousse. Le niveau 1, je rappelle que c'est le pied qui touche le sol. Tranquille. Jambe d'appui fléchie. Et 3. 2. Ça va? Pour une fois, je suis vraiment seule. Donc, même si vous me dites non, je ne l'entendrai pas. Hein. C'est dommage. Très bien. On va associer. Jambe côté, jambe derrière. Donc, ça fait tendu côté, genou, pouce derrière. Ok? Tendu côté, ramène genou, pousse derrière ou pointe au sol. Celui-là, celui-là, pointe au sol. Je sais pas. On y va. Je mets la musique. Go. À toi. Côté, genou, derrière. Hey.
côté de nous. Moi, je pose pas la jambe au sol, hein. Ouais. Tout côté, genou, derrière, encore. Un. Dernier. Tendu, genou, derrière, ramène. Wow, il est gentil celui-là. On change de jambe. À toi. Côté, genou, derrière, ramène. Ouais. Si tu galères sur le mouvement, c'est pas grave. Côté, genou, derrière. Côté, genou, derrière. Ouais. Toujours la jambe d'appui, fléchis. Encore. Souffle. Et. Côté, genou, et. Côté, genou, derrière, ramène, marche. Tout va bien. Quadriceps. Pied largeur du bassin, les copains. On les vend. Pousse les pieds derrière. Pousse et remonte. D'accord? Serre tout. Et pousse et remonte. Serre. Les genoux dépassent pas la pointe de pied. On y va. Hey, go et un, deux, trois, quatre, cinq, six, serre, sept, huit, et reste en bas. Tu le tiens. Écrase tes talons. Détends tes épaules, poids du corps derrière, 4, 3 et 2, remonte, marche, marche. Je sais, vous le savez, puisque je vous l'ai répété depuis je ne sais pas combien de fois. Rappelez-vous, j'engage le fessier, mes genoux ne dépassent pas ma pointe de pied. Absolument important, si tu as mal au genou, je te propose de faire un statique. Donc tu fais la chaise et tu ne bouges pas. Si l'envie te prend de descendre un peu plus bas, tu peux. Mais il faut que tu sois sûr de toi. Ok? Si je descends, je descends, je descends, je descends et je bloque. Ok? Testez-vous. Deuxième série. Même chose. On est parti. Pied largeur du bassin. Serre. Hop. Go. C'est parti. Et un. Deux. On réduit l'allure si on voit que ça ne va pas. 3, 4, poids du corps derrière, 5, 6, 7, 8, on reste en bas, 7, détends tes épaules, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, remonte. Comme une envie de la faire une dernière fois, moi. Toujours pareil, j'entends pas. Donc si c'est non, désolé, je vous entends pas. Mais vous avez la chance de pouvoir accepter ou pas de le faire. C'est cadeau, hein. On y retourne, dernière série. Pim, clac, boum, hé, serre. Go. Les 8 derniers. Souffle. 6. 4, allonge, 3, 7, allez le dernier, on reste en bas, statique, on tient, poids du corps, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, relâche, step touch, ah. 4, 3, talon fesse, talon fesse, ouh, on sent des choses là, hein. Encore. Oui. Et 4, 3, 2, marchez. Marche. Très bien.
passe au sol. Alors, au sol, on va travailler un peu les bras, on va travailler la ceinture abdominale, mais toujours pareil, c'est des mouvements basiques. Parce que je ne peux pas m'amuser à vous faire des choses trop compliquées, je risquerais de vous mettre en danger. D'accord? Donc pour les personnes frustrées, voilà, c'est pas grave, le tout c'est de bouger, d'accord? Allez, on prend un coup, on attrape la serviette ou le tapis ou les deux, et on attaque la suite. Très bien. On va s'installer sur les genoux. Les bras sont tendus, ok? Hop. Donc, j'essaie de me placer pour que tout le monde puisse me voir. Les genoux sont posés. Les bras sont à hauteur des épaules. Aspiration du nombril, serre ton ventre. Je rappelle que si tu as des problèmes d'épaule, attention, ok? Tu as aspiré ton nombril, tu es en hypopression. On tient. Ok. On y va, on lève le bras droit, on bloque le bras droit, reste. Ton regard toujours vers le sol. Pose le bras, change le bras et reste. Essaye d'allonger le dos au maximum. T'as pas lâché ton ventre. 4, 3, 2, pose ta main. On la refait. Et on va lever la jambe opposée. Lève le bras. Lève la jambe et reste. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pose ta main, pose ton genou. Reprends la contraction. Change de bras, change de jambe. Allonge et allonge. Voilà. On le tient. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Pause, pause. Petite position du chat, détends-toi. Tranquille. Planchon, planchette, on va gainer. On y va, bras tendus ou pas. On décolle les genoux, lève une jambe, suivi de la deuxième. Les genoux touchent plus le sol. Je tire sur mes talons, je rétroverse et je serre. On le tient, 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, pose un genou, deuxième genou, position du chat. On la refait. Bah oui, sinon c'est pas drôle. On y retourne, levez et allonge une jambe. La seconde jambe et rétroversion, serre. Contraction. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pose un genou. Deuxième position du chat. Voilà, pense à bien étirer, à bien relâcher. On est d'accord que c'est la ceinture abdominale, hein? On y va, on replace. Les genoux sont posés. On reprend. Serre le ventre, ok? C'est important. Tu vas créer une ouverture de bras sur le côté. J'ouvre. Et je reviens. Je change le côté. J'ouvre. Et je reviens. D'accord? Je l'ai comme ça pour que tu puisses le voir. C'est parti. Ouvre. Et reviens. Oui. Tu prends le temps. Lâche pas ton ventre, surtout pas. Encore deux. Encore un. Et reviens.
position du char. Étire. Ok. Chiche ou pas chiche? Aïe, aïe, aïe. On allonge une jambe. La pointe de pied touche le sol. D'accord? La pointe ne bouge pas. Le même bras, du même côté, je le lève. Et je bloque. Et je reste. Serre ton ventre. Tu vois? Là, c'est ma jambe gauche avec mon bras gauche. Pas de problème. Serre, serre. Et reviens. Ramène genou. Change de jambe. Pointe. Ouverture. Je te tourne le dos quelques secondes. Contracte. Oui. Et reviens. Bon, on va le compliquer, hein. Hein? On va essayer de décoller les deux genoux. On reprend. Allonge. On enlève les deux genoux. Allonge. Rétroversion. Contraction. Ouverture de bras. Laisse. Où je suis vilaine? Où je suis vilaine? Reviens. Change de côté. Reviens. Pose genou. Et le deuxième. On va la refaire. Reste en bas. Reste au sol. Je t'explique. Prends les options. La première option, c'est un genou au sol. D'accord? Avec une pointe de pied au sol, toujours. Si c'est trop difficile. La deuxième option, c'est les deux genoux. Les bras peuvent être fragiles. Tu peux mettre les avant-bras si tu veux. Ne t'inquiète pas. On la fait? Go! Avec le sourire. On y va. On serre. Go! Tout. Moi, je fais l'option 2. La plus difficile. Rétroversion. Go! Ouverture. On tient. Fais ce que tu peux. On revient et on change. Ouh, hey. On revient, on reste en gainage. On serre. Allez, tout le monde les genoux décollés. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pose un genou, deuxième genou. Position du chat. Sur le dos. Tu te tournes et tu t'allonges sur le dos. Nous allons maintenant passer à l'hypopression. Place ton dos au sol. Les jambes sont fléchies. Les deux pieds bien posés au sol, c'est important. D'accord? Voilà. Ok. À partir du moment où ton dos il est bien plaqué, tu rétroverses, tu creuses, tu serres. Là, il faut voir les côtes, d'accord? Là, ici, tu rentres tout. Tes bras le long du corps. Tu contractes, tu serres. C'est le moyen de travailler les abdos en toute sécurité. Ok? Tu serres. Tu lâches rien. Tes épaules sont bien relâchées. Attention, monte fessier. Monte et redescends. Go! Et... Voilà, plusieurs fois tu montes, tu descends fessier. 8 fois, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on replaque le dos au sol. Pose le dos, rétroversion, serre. N'hésite pas à mettre tes mains là, resserre tout. Encore. Là, tu dois sentir la contraction. 5 secondes, 4, 3, 2, et 1, reprend et monte fessier en haut, en bas, et... La respiration, et 4, 3, 2, 1...
de musique. Voilà, donc tu es toujours allongé au sol, les jambes sont tendues, posées au sol, et tu relâches les tensions. D'accord? Tu inspires, tu souffles. C'est très bien. Allez, j'arrive. Hop. Je trouve ma musique de stretching. Très bien. Au moment où tu es allongé au sol, tu étires ton corps, tu étires tes bras, tu étires tes jambes, tu étires tout. Lâche les tensions. Changez. Essayez d'allonger la nuque au maximum. On ramène les deux jambes pliées vers la poitrine. On masse son dos. On ouvre les bras en croix et on pose les deux jambes sur le côté. Suivi de la deuxième et on change de côté. C'est pareil pour les étirements, prends le temps, ressens. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu changes. On déroule, on change de côté. Talon devant et je descends. Pense à ta respiration. On remonte, on serre les deux jambes, légèrement fléchis, d'accord? Ne sois pas totalement tendu. Et je descends le corps. Voilà, je relâche. Là, je suis bien, d'accord?
Je plie les deux jambes. Je déroule, je remonte. Main derrière le dos. Tire les bras vers le bas. D'accord? Et descends le menton vers la poitrine. On reprend. On redescend vers le sol. On y va. Essaye de ne pas trop forcer par rapport à ton dos. D'accord? L'objectif, c'est pas d'attraper les pieds. Hein? Et on déroule, jambes pliées. On replace, main derrière le dos. Tirage, descend le menton. Voilà. Et on relâche. On jette la salade, on jette tout. Respirez, soufflez. Très bien. C'est parti, tirez les bras devant, poussez. Le dos bien vers l'arrière. On reprend la salade. On y va. Poussez. Dos rond. On ouvre les bras en croix. On ressort la cage thoracique. On reprend l'énergie. 4, 3, 2. Lâchez tout. Soleil. Tirage. Relâche. Encore un beau tirage. Et on relâche. Et je détends. Bien. Je vous dis bravo. Alors, cette séance, pour moi, aura duré 43 minutes. Je l'ai fait un peu plus courte parce que je ne sais pas si je vais pouvoir la charger, je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'envoyer. Donc, cette vidéo, c'est presque un essai pour nous. Donc, je vais l'envoyer et on croise les doigts pour que vous puissiez la voir et correctement, d'accord? Donc, soyez indulgents. S'il y a des failles, on s'excuse. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez continuer à faire du sport. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Faites attention à vous. N'oubliez pas, YouTube, abonnez-vous. Comme ça, plus tard, peut-être qu'on pourra faire des lives. Je ne sais pas non plus. Voilà, on voit. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.